Salut les amis, salut YouTube. Réunion de chantier, état des lieux du jour. Je suis HS, complet, mais complet. Dans un état corporel, ça fait peur quand même. J'ai essayé d'aller en course ce matin, j'avais pas réussi, enfin hier j'ai pas pu y aller et je devais absolument acheter à manger pour mes animaux. Je me suis forcé ce matin. Le matin c'est là où j'ai le plus d'énergie, sauf que ça a fini de me sécher là. Je suis fatigué. Et je vois plus rien. C'est une douleur dans mes yeux. J'ai vraiment mal. Donc ce matin, je vais à Super U. Et je vais dire le nom du magasin parce que ça mérite. Donc depuis que j'habite ici, ça va faire 3 ans à Noël. J'y vais à peu près une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Et à chaque fois. Vraiment à chaque fois. Il y a une erreur sur mon ticket. Et c'est pas une erreur à mon avantage. Non, 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 non. Donc là, ce matin, j'ai failli faire plein de malaises dans le magasin. Et quand je passe dans un rayon, je vois une super promotion sur du chocolat que j'ai l'habitude de prendre. Enfin, celui qu'on aime, quoi. Et donc, il était affiché à 2,99€. Et en caisse, il est passé à 4,04€. Voilà. Et en fait, pour me faire rembourser, ça m'a pris à peu près 40 minutes. Voilà. Ça a pinaillé un truc de fou, quoi, avec des logiques au secours. J'ai fini par rendre les tablettes et dire, vas-y, rends-moi mon argent, là, s'il te plaît. Parce qu'en fait, voilà, j'en avais pour 7 euros et quelques de chocolat, donc les deux tablettes, les deux paquets, je veux dire. Et alors que normalement, il y en avait pour 3,80€. Donc, bon, voilà, le truc, c'est que là, ça a énervé du monde, forcément, dans moi. Et donc là, ils sont en train de faire un plan. Oui, c'est bon, on va garder les tickets maintenant. Nous, si on vole, on va avoir des problèmes avec la police. Alors, c'est pas normal que eux, ils nous volent. Alors, on va garder les tickets et on va aller à la police. On va porter plainte. Ok. Juste, je voudrais dire un truc. Oh merde. Je suis en train de switcher en même temps. Oh merde. Attends. Ah, je suis embrouillée là. Attends. Faut que je me concentre. C'est dur d'avoir plusieurs systèmes de pensée en même temps. Et c'est un truc de ouf. Quoi. C'est un truc de ouf, quoi, vraiment. De passer de ah ouais les gars, on va garder les tickets et tout. On va aller porter plainte. À ce que la chamane allait dire. Et là, du coup, le fait que. J'ai interagi, ça a redescendu et je sais pas du coup ce qu'elle allait dire. Ça va revenir sûrement. Ah, peut-être c'est ça depuis quelques jours là, c'est plus du tout pareil dans mon système, c'est tout le monde en même temps, c'est très très bizarre. Tout le monde est mélangé, j'ai l'impression même des fois. Je peux confondre. Bon déjà, je ne connais pas trop bien, mais bref, je m'égare là. Donc on parlait de l'arnaque. Ah d'ailleurs, c'est bon, j'ai re-eu l'information. À transmettre par rapport à l'arnaque de Super U. Les gars, ça fait un moment que vous râlez, que vous vous faites arnaquer par ce magasin, qu'il arnaque sur les prix, que les produits sont de mauvaise qualité, qu'il y a du poison dans la plupart des choses, que c'est hyper emballé avec du plastique, etc. Et donc ça va pas dans le sens de ce qu'on voudrait. Pourquoi vous continuez à aller là-bas? Alors, oui, la réponse, je sais, c'est parce qu'on a besoin de trucs. Et ben, il va falloir transformer ses besoins, quoi, vraiment. Et arrêter de cautionner
j'allais dire des arnaques, enfin des institutions qui respectent rien, quoi. Voilà, il faut arrêter de donner son argent, arrêter de donner son pouvoir à des institutions qui n'ont pas le respect pour le vivant. Donc, il y a le choix, hein, c'est vous rentrez dans le triangle et ouais, vous gardez les tickets, vous allez porter plainte et on joue à la guéguerre et tout, ou alors vous faites abstraction, vous mettez pas votre attention sur le truc, vous mettez pas votre énergie sur le truc et vous allez plus à Super U, vous allez ailleurs. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des bases comme ça qu'il faut que vraiment, il faut intégrer. Que ce soit, il faut être en accord avec ses valeurs. Et vraiment, on le sait que, on a des besoins qui nous soumettent. Et ben, si on veut arrêter de se soumettre, il faut transformer ses besoins. Voilà. Donc voilà, sinon, si j'arrive à... Parce que je suis tellement mélangée que n'importe qui peut prendre la parole en vrai et raconter ce qu'il a envie et le fil il est vraiment décousu. Enfin, c'est la sensation que j'ai moi en ce moment. Donc je voulais aussi dire que hier ça s'est bien passé avec la psychiatre. Heureusement qu'on avait fait cette vidéo, vraiment. Ça a pu permettre d'être beaucoup plus calme et de verbaliser sans agresser l'autre. Donc on a pu dire que certaines parts étaient contentes, d'autres n'étaient pas contentes, et on a pu dire que la petite parano, elle pensait que l'ancienne psychiatre mettait la pression. Et là, bah la petite parano, elle jubile là tout de suite parce que en fait la psychiatre elle s'est sentie vraiment con et elle savait pas quoi dire. Elle a pas du tout nié le truc, elle a pas du tout rassuré en disant non non mais moi j'ai pas de contact avec votre ancienne psychiatre ou quoi. Non, rien du tout. Elle s'est embrouillée dans des justification qu'elle avait banque, rendez-vous à la banque à 16h30 et qu'elle n'avait pas pu faire autrement pour l'heure du rendez-vous, enfin, mort de rire. Enfin, ça fait mort de rire la parano qui pense qu'elle a raison, donc du coup. Et on a pu aussi quand même... Enfin, je vois sa bonne volonté pour m'aider, quand même, voilà, c'est ça. On a vu la bonne volonté et elle fait comme elle peut avec les moyens qu'elle a. Et voilà, donc on continue l'aventure. Ça va, ça s'est réglé. Par contre, voilà, aussi j'ai des choses à dire sur la vidéo qui a été faite hier, la dernière, le pissage de chacal, là. Alors oui, je prends en compte que c'était un pissage de chacal, d'accord. Par contre, là, il y a des parts qui se la pètent trop et ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Surtout venant de la petite peste qui prône, ouais, moi je vais faire les trucs gratos alors que c'est la première à vouloir faire du business avec le bricolage des petites. Bref, il y a du boulot à faire, mademoiselle la petite peste. Après, c'est pareil, votre intention, on pourrait penser qu'elle est bonne. Mais si on y réfléchit plus, c'est un comportement de vouloir. Alors, c'était quoi les termes? Bon, déjà, elle a clairement verbalisé que c'était pour faire chier le monde. Donc, déjà, l'intention, moyen. après, qu'est-ce que j'avais remarqué? Qu'est-ce que j'avais relevé? Oui, alors, c'est pareil aussi, hein. Je me la pète en disant, moi c'est bon, les normaux pensants, en 2 secondes et demie, leur petit trauma à la con, bling bling. Là, c'est hyper irrespectueux et franchement, ça me fait pas plaisir. Vraiment. Et il faut aller voir en fait que derrière ces réactions-là, il y a des peurs. Et si une action est faite à partir de la peur, ça va rien donner de bien. Une action qui est faite venant du cœur, ça va donner quelque chose de bien. Maintenant, une action faite parce qu'il y a de la peur, et là, il va falloir aller chercher les peurs. C'est quoi la peur que vous avez? Pourquoi ça vous dérange que les êtres humains jouent à l'argent? Ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, j'aimerais qu'il y ait une remise en question par rapport à tout ça et plus de respect ben, pour les frères, quoi. Parce que qu'ils soient normaux pensants, multiples, intelligents, cons, bêtes ou quoi que ce soit, ils sont là, ils ont le droit d'exister, et ils sont pas là pour rien. Et quelque part,
si ça nous dérange, c'est justement le meilleur moment pour aller voir qu'est-ce que ça touche en soi et pourquoi ça dérange. On n'a aucun pouvoir sur l'extérieur, donc on ne va pas pouvoir faire plier tous les autres, ou ça voudrait dire qu'on voudrait les soumettre à nos propres idées. Donc à un moment donné, si vraiment, parce que qu'est-ce qu'on cherche? On s'en fout, on ne veut pas dominer personne, nous on veut juste se sentir bien. Mais pour se sentir bien, il faut être sous aucune emprise. Et donc il faut vraiment bien se connaître et aller voir en soi qu'est-ce qui réactionne. Et donc si ça vous fait réactionner que les humains utilisent l'argent, et ben, allez voir pourquoi. Et démonter les peurs. Et après, ça vous atteindra plus qu'ils utilisent l'argent et pourront faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, j'aimerais quand même que ça se recentre un peu et que ça bosse un peu plus sérieusement en interne. Et voilà, donc pour ma vidéo du jour, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. Aujourd'hui, on va se reposer parce que vraiment, le corps est très, 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 très fatigué. Et puis, de toute façon, on est bien un peu immobilisé dans le sens où dès qu'on essaye d'avancer, presque on va tomber par terre. Les cours ce matin, on a bien vu. Et puis, on voit rien là. Les yeux font mal, mais c'est un truc de fou. Vraiment. Alors, ça pourrait inquiéter quoi, des personnalités, et même la petite parano, elle pourrait stresser et se dire ah, on va mourir. Mais non, il y a la chamane qui dit que c'est normal que le corps soit en PLS avec les choses qu'on est en train d'intégrer et qu'il faut prendre le temps. Donc bah voilà, on va se chouchouter aujourd'hui, on va rester tranquille et puis. Et puis se reposer, parce que apparemment la fin de mois va être assez tendue, selon la chamane. Je ne peux pas dire trop de choses encore pour le moment, on est trop fatigué pour monter en connexion. Mais par contre, la fin de mois là, ça va bouger à fond, à fond. De toute façon, hein, si l'extérieur c'est le reflet de l'intérieur, moi je sais comment ça a bougé dans moi. Donc si ça bouge pareil sur l'extérieur, je vous préviens les gars, ça va bouger fort. Bon allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et franchement, merci pour le soutien, merci pour les messages, merci pour le soutien, vraiment, vraiment. Et puis ben, suite au prochain épisode. Bye!